crazy mother. Put me there. Et donc bonjour à tous et à toutes, c'est NH, j'espère que vous allez bien, et nous nous retrouvons aujourd'hui sur Lego Fortnite en mode créatif, tout simplement pour vous montrer comment faire un, entre guillemets, véhicule qui ne part pas dans tous les sens et qui est un petit peu maniable. Donc vous pouvez voir qu'en fait j'ai fait des rails, j'avais une idée de faire des wagons, parce que malheureusement on n'a pas encore la possibilité de faire des vraies voitures avec une direction... On peut pas aller à droite ou à gauche, voilà, on a que des réacteurs, des roues, etc. Donc j'ai décidé de faire un wagon, une sorte de train, qui peut aller que tout droit malheureusement. Donc j'ai fait plusieurs tests, vous pouvez voir qu'au début j'avais essayé de faire en bois, ensuite j'ai augmenté la taille en deux, faire plus d'épaisseur, et ensuite j'ai dû faire plus de place pour les roues, parce que malheureusement le wagon partait dans tous les sens, voilà. Donc vous pouvez voir que là déjà c'est plutôt pas mal, je vous ferai après la construction. Vous voyez là il n'a pas pu tomber, voilà. Donc hop, je vais vous montrer ça. Alors on peut mettre soit petit propulseur soit grand, on va partir sur du petit, oui, on va tout tester. Et après on va passer à la phase de construction. Donc interagir, voilà, donc là il va aller bien évidemment tout droit jusqu'à arriver au fond, on va pas aller tout au fond, hop. Et après, bah, malheureusement, pour faire demi-tour, il faut casser, le petit propulseur et faire demi-tour avec le petit propulseur. On va prendre le grand propulseur, si j'arrête de me tromper en touche. Voilà. Donc le grand, oui, ça va un chouïa plus vite. On peut mettre plusieurs propulseurs, je pense, mais voilà. Le but, c'est d'éviter aussi de sortir le wagon. Hop. Alors, vous allez me dire pourquoi j'en mets pas un devant et derrière, parce que je pense que vous savez, j'ai essayé de faire plusieurs tests aussi, voir si on pouvait pas juste avoir plusieurs déclencheurs, à part si j'ai pas trouvé. Donc attends, je vais juste remettre le wagon au centre pour que vous puissiez comprendre. Hop, voilà. Donc on va mettre par exemple deux propulseurs, un devant, un derrière pour pouvoir aller à droite, soit tout droit, soit derrière, mais quand j'active, hop, les deux propulseurs s'activent, donc du coup c'est impossible. Même chose, je vais quand même essayer au cas où si j'ai pas bien fait les choses, mais vous voyez, si par exemple j'en veux un ici pour lui et un ici pour lui, ouais, vous voyez, ça change rien. Donc c'est ça le truc dommage, c'est qu'on peut pas choisir. Est-ce que si je mets un propulseur différent, éventuellement, j'ai déjà fait plusieurs tests tout seul, parce qu'au début je voulais faire un véhicule volant, un peu indirigeable, vous voyez, un peu comme on voyait dans le trailer, sauf que vraiment c'est. Bah c'est pas ouf quoi. Ouais, ça fait rien. Ouais, ça... Vous voyez, en fait, malheureusement, on peut pas. On peut pas avoir deux propulseurs différents, à part si j'ai vraiment pas trouvé. Donc si jamais quelqu'un le sait, bah tant mieux. Donc vous voyez, c'est simple. Faut faire en fait des rails qui iront tout droit. Et je vais vous montrer du coup comment faire pour bien mettre votre véhicule dedans. Donc, enfin, c'est même pas mettre, c'est tout simplement le surélever. Voilà. Et en fait, y a aussi une chose qui m'inquiète un peu. C'est, vous voyez, on a les crafts du coup. Donc on voit que ça coûte une tige de bois, une poudre explosive et une torche. En soi, ça coûte pas spécialement cher. À part pour la poudre explosive, je ne sais plus comment ça se craft. Donc du coup, vous voyez, on le pose. Et normalement, quand vous cassez quelque chose, on est censé récupérer les ressources. Par exemple, si je prends, je sais pas moi... après, je sais pas si ça... Voilà. Si je prends ce cube là, si je casse le cube... Ça va me donner le bois. Mais, bizarrement, avec tout ce qui est propulseur, tout ce qui est en fait gadget, bah ça me rend pas les ressources. Par exemple, même ça, bon, ça je peux pas le poser là. Si je le pose là, bah ça me donne pas les ressources. Donc là, je suis en créatif, je sais pas du tout comment ça fonctionne en survie, parce que j'ai déjà une survie, mais j'ai pas encore débloqué tous ces trucs là. Donc voilà. Allez, on va vite passer à la construction. Il me faudrait une zone plate. Bon, on va essayer de se mettre là. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est construire le véhicule. On prend une poutre, enfin une fondation, quoi, voilà. On met ce machin. Hop. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mes favoris, ça va plus vite. Hop. On met en dessous, parce que du coup, on n'a rien pour surélever. On met en dessous les 4 blocs. On essaye de bien les mettre... voilà, comme ça. Vous voyez, faut pas que ça dépasse, quoi. Hop. Hop là. Ensuite, on prend les petits trous.
Alors là, ça va être la partie un peu chiante, c'est un peu galère. Je suis sur PC, sur console, je sais pas si ça va être possible avec la manette, honnêtement, ça va être très dur. Parce que vous voyez, en fait, là, la roue, elle se met dans le truc. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment, vous voyez, ça soit le plus bas possible. Et malheureusement, pour faire ça, c'est un peu galère. En plus, il va faire nuit, c'est super. Donc là, en fait, faut que vous réussissiez un peu, voilà, à bidouiller le truc. Ah, c'est dur. C'est le côté, ça, c'est le côté le plus long et le plus chiant. C'est de réussir à mettre la roue. Et il faut essayer de la centrer aussi pour pas qu'elle se barre. Si j'y arrive pas bien, il va falloir que je vous coupe la vidéo. Zut alors. Allez, s'il te plaît. Il veut pas. Ah là là. Si, j'aimerais bien y arriver en vidéo que vous puissiez voir, mais c'est vraiment galère. Vraiment, c'est vraiment chiant. Allez, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ok, bon, on va faire une petite coupure pour le temps de faire les 4 roues. Vous avez vu que c'est possible. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite le temps que je mette les roues. Oui, donc, c'est bon, j'ai réussi à mettre les roues comme il fallait. Donc, faut bien que ça soit centré, hein, comme vous pouvez. Donc, honnêtement, c'est vraiment compliqué à mettre. C'est pas facile, surtout. Alors, je sais pas si c'est avec la souris que c'est compliqué, mais vous allez devoir essayer de bidouiller, ça prend du temps, c'est assez galère. Alors maintenant, alors moi j'ai pris des sols de château fin granit, en granit. Alors je sais qu'on peut pas tous les avoir, donc honnêtement, je sais pas si même moi je les ai pas hein, dans ma partie personnelle en survie. On va partir sur du bois, on va essayer, on va voir si le bois ça fonctionne, parce qu'en fait vous voyez le granit, hop, là j'ai tapé, ça fait 30. Et ici, ça fait 15, donc le bois est beaucoup moins résistant. Donc, est-ce que le côté résistant est important? Je ne sais pas, on va le savoir tout de suite. Donc, on va faire avec du bois cette fois-ci. Si je retrouve. Non, c'est là-dedans, voilà. Donc, normalement, on aura tous le sol en bois, ou peut-être sol. Non, pas ça. Enfin, voilà, on les aura, ces trucs-là, on les a forcément, je pense. Ah non, ça, c'est le shogun en fait, ok. Ah zut alors, je viens de rendre compte que bah, je sais pas quel bois on peut avoir. Parce qu'en fait, vous voyez, le bois comme ça du Shogun, c'est les dernières constructions. Les toutes dernières. Sol de panneau fin. Peut-être que ça on l'a. J'espère. Et ça c'est quoi? Ah non, c'est bon. Sol rudimentaire, voilà. Rustique, voilà, ça va être bien. Ça c'est sûr, on l'a alors du coup. Excusez-moi, je me suis trompé. Hop, on est parti, on prend les plus grands. Alors là, vous voyez, on va à partir du bloc là. Il faut laisser deux d'espace. Voilà, deux de creux comme ça, deux carrés. Paf. On fait la même de l'autre côté. Hop, on essaye de faire quelque chose de droit. Et ensuite ici, hop, on revient fermer comme ça, vous voyez, comme ici. Et donc là, bah, vous faites votre chemin. Hop. Ouais, c'est zut. Ça c'est le côté emmerdant. Excusez-moi pour le gros mot. Hop. Et on est parti. Hop. Donc là, en fait, c'est en. Honnêtement, ce truc, je vous conseille de le faire éventuellement pour les peut-être les changements de biome. En fait, attention à bien les mettre. Vous voyez, moi, quand je les mets mal, je les casse et je les remets. Faut bien que ça soit. Voilà. Que ça soit bien mis. Et du coup, bien évidemment, il n'y a pas de moyen de. Ah, vous voyez, là on tombe sur un problème. Ouais, bon, on va voir si ça fonctionne quand même. Vous voyez, en fait, je suis un peu dans une petite pente, donc on va voir. On va voir si ça fonctionne quand même. Ce serait pratique de savoir si ça fonctionne. Après, est-ce que remonter la pente va être compliqué? Je pense que oui, clairement. Hop. Carrément des endroits où je peux même pas poser. Hop. Et après, ce que vous faites, c'est même chose. Vous. Mettez, on double en fait, on met une autre épaisseur parce que sinon votre véhicule va partir, il va sortir du truc. Pourquoi j'ai mis ça là? Hop. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite coupure. On se retrouve dès que j'ai fini. À tout de suite. Et donc c'est bon, j'ai fini de faire nos rails. Donc j'ai aussi mis pour changer, parce que je mettais des boîtes, vous voyez. Et ces boîtes-là, en fait, je sais même pas si on peut les craft. Je sais qu'on peut en trouver sur la map, mais si on les ramasse, je crois qu'on. Ah, si on peut juste les poser. Ouais. Bon, pourquoi pas. Bon, après, on n'en trouve pas partout.
Donc voilà, j'ai mis des fondations que tout le monde peut construire. Et donc on arrive enfin à la phase entre guillemets finale où on ferme, on casse cette fondation. Voilà. Et donc là, c'est bon. Notre wagon est enfin mis sur nos rails. Hop, on sort enfin le petit interrupteur. Et on va pouvoir tester ça sur du bois. On va mettre le petit propulseur. Allons-y. Zut, faut que je sorte. Ah. La boulette. Bah, ah, c'est bon, ça fonctionne. Fallait juste le pousser un petit peu. Ah. Alors, voilà. Bon, il a l'air d'avoir du mal, hein. Et là, la petite descente là. Ça va le faire. Bon. Alors, j'ai l'impression que par rapport à ma construction tout à l'heure, il a du mal. C'est bizarre. Est-ce que c'est le bois qui fait ça? Pourtant, j'ai pas fait de changement à part. Voilà. On va tenter de mettre un plus gros propulseur pour voir. Ah, bien évidemment. Si je le pousse, je veux pas. Vite, c'est vrai. Hop, voilà. Là, en vrai, quand je le pousse, ça a l'air de fonctionner. On va mettre un plus gros propulseur pour voir. Ouais, bon, là, ça a l'air de fonctionner, mais j'ai l'impression que ça fonctionne moins que l'autre. Bon, voilà. Donc, voilà, j'ai réussi à faire. Du coup, on peut le faire avec du bois, je pense, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux avec ça. Après, c'est peut-être je sais pas. Est-ce que les roues sont. Non, c'est bien. Bon bah voilà, donc j'ai réussi à faire entre guillemets un petit véhicule qui part pas dans tous les sens. Après à vous de voir si vous êtes prêt à faire des rails, mais je dirais que c'est quand même un bon truc, un bon début, surtout que ça évite voilà, de toujours avoir votre véhicule qui part à droite et à gauche. Surtout que c'est pas super maniable quoi. Je vais juste, dernier petit test avant de partir, je vais juste voir si c'est possible carrément de mettre des coffres, juste pour voir. On va prendre je sais pas moi ça. Ah oui, il est petit en plus le coffre. Et bah super, bonne nouvelle, vous voyez. On peut mettre des coffres sur notre wagon. Donc on peut carrément si on veut, on peut carrément aller farm dans les autres biomes. Donc imaginons que là on est dans ce biome là. Si je veux aller biome neige, au lieu de toujours faire à pied. Et bah on pourra faire éventuellement un chemin avec un wagon qui va full tout droit et après il vous ramène chez vous tranquillement. Donc ça peut être pas mal. Voilà, bah j'espère que mon petit véhicule, pas parfait, mais plutôt pas mal, vous plaira. Et bah je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.